Être un père, une mère. C'est l'une des missions les plus importantes de la vie. Qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Le résultat, il est à notre image, à l'esprit, l'ambiance qu'on a bien voulu donner à notre foyer. Quant à l'enfant, il récupère tout ce qu'on lui donne. Rien ne lui échappe. Cela peut le construire ou le contraire. Rav Yehia ben Shetrit. Rav Ariel Bijawi. Demandez l'autorisation aux enfants. L'enfant, c'est un miroir. La femme, c'est un miroir. Les amis, c'est un miroir. La réussite, c'est un miroir. L'échec, c'est un miroir. Toute la vie, c'est un miroir. Les parents, ils vont donner aux enfants des midotes. Et en fait, qu'est-ce que c'est les midotes ? Les midotes, c'est la base du respect. Tout le chinour repose sur les épaules de la mère. Pourquoi ? Parce que lorsque la maman va montrer à l'enfant le respect qu'elle porte au père, alors elle inspire à la fois la mida du respect chez l'enfant, c'est déjà une notion, et elle apprend à l'enfant qu'il y a vis-à-vis du père cette notion de yir'a. Rends le ballon à sa sœur, il veut pas. Rends le ballon à sa sœur, il veut pas. Rends le ballon. Mais c'est le ballon de ta sœur. C'est le ballon de ta sœur. Rends le ballon à ta sœur, il veut pas lui rendre. Donc on lui explique une fois, on lui explique deux fois, on lui explique trois fois. À juger, très rare. Être parent, ce n'est pas une fois par an. C'est un travail de tous les jours. Car ceux qui sont les plus chers à vos yeux, vos enfants, se construiront une éducation, une psychologie, à l'image de ce que vous leur donnerez. Ne soyez pas égoïste, ne leur gâchez pas la vie, donnez-leur la meilleure éducation qu'il soit. Faites-les grandir, car dans vos mains, vous avez la responsabilité de leur vie. La paternité, c'est un problème de quantité, c'est un problème en fait de résolution. C'est un problème de qualité, c'est un problème de vision en fait dans la vie. Donc je pense ici qu'il y a un message, cette fois-ci pour les hommes, c'est de savoir qu'on a une responsabilité énorme sur nos épaules. En fait, toute la vie, c'est quoi ? C'est pas le résultat. La vie, c'est la ishtadlout. La vie, c'est l'effort qu'on fournit. Ça veut dire qu'on doit être capable d'accepter que les enfants sont des caméras numériques, 173 milliards de pixels de sensibilité, avec un capteur sélectif. Ça veut dire que quand tu fais une bêtise, il enregistre tout de suite. Mais quand tu fais du bien, il faut lui répéter souvent. L'autre, il est stressé. L'autre, il râle. L'autre, elle est hystérique parce qu'on lui a cassé son diplôme. Lui, il est énervé parce qu'on lui a fait un impayé. Il rentre les deux. Il y en a marre. Il y a une ambiance comme ça. Mortelle. L'enfant, il rentre dedans. Il dit bon. Vivement qu'on aille dormir. Il faut savoir, il faut jamais s'angoisser. Il faut toujours se rappeler de cette phrase du Razonich. Tu veux que ton enfant, il sorte de ce que tu penses être mauvais pour lui, donne-lui quelque chose de bon. Mais il faut lui donner. Il dit le Razonich, la plus grande ishtadlout qu'on doit faire dans l'éducation, c'est la tefila.